7h05, juste après le décollage de Séville, le jour se lève. C'est vrai que c'était très spécial, très différent des autres vols. Je ne me rends pas complètement compte que c'est le dernier vol, mais quand même, ça commence à me toucher fortement. Je pense que je fais tout en sachant que c'est le cap. J'essaie de profiter de chaque moment, de chaque petite chose, de m'en souvenir, d'apprécier. Et c'est aussi plein de flashbacks sur tout ce qu'on a fait depuis le début, toutes les personnes avec qui on a travaillé. Moment du départ, la première rencontre avec Bertrand. Et je crois que chaque étape était fantastique. Je savais que finalement c'était le chemin qui était intéressant et je voulais en profiter. Je pense que j'en ai profité. Et je revis un petit peu tout là. Magnifique de pouvoir partir en fait pour 2 jours, 3 jours. Wow, j'ai juste le soleil qui se lève là. Ça, c'est quand même un moment absolument exceptionnel. Je sais pas, j'espère qu'on le verra là, mais c'est absolument sublime. Et c'est vrai que si je peux en voir un de plus, je serais hyper content. Mais de partir pour 2 pour 3 jours, évidemment, c'est fabuleux. C'est des voyages. 8-4-0, il y a moins de descendre la discrétion. La discrétion, l'international. Pas la radio ici, mais ce sentiment d'indépendance, sentiment de liberté. C'est fabuleux. Finalement, je me dis, ben, tiens, je vais prendre chaque minute comme elle vient et tâcher d'en profiter vraiment à chaque seconde. Et je me réjouis, je vais voir tout commenter ça comme ça, si ça vient lors du parcours.